Bon, allez, donc voilà. Après notre tour en France, eh ben, on s'est posé à côté de Salon-en-Provence, à Pélissanne. Super aire de camping-car. Certes, c'est pas l'idéal, c'est bétonné, petit village très sympathique, avec tout à disposition, même une laverie automatique. C'est vraiment très agréable. Pas bleu, vert. Non, vert. Papa? Là, c'est vert. Papa? Allez, découverte de Regardez, Pélissanne. super air de camping-car, très agréable. Pas de bruit, certes, c'est un parking, mais franchement, pas de bruit la nuit et tout. Et quand même, ben, comme je vous dis, le terrain de foot, terrain de basket, skate-park et terrain de pétanque, pas loin, fort agréable. Allez. On vous amène découvrir Pélissade, à côté de Salon-Provence. Allez, regardez. Regardez. Comme ça, elle grandit, mais non, elle marche. Elle marche toute seule comme une grande. Oui, la fleur, elle est belle, la fleur. Elle sent bon? Non. Que ça sente bon ou que ça sente mauvais. Tout sent mauvais avec Octavia. Que les aisselles c'était sous les bras, mais non, les aisselles c'est ça, c'est là, c'est pour monter, c'est des aisselles. Je pensais que c'était des échelles, mais non, c'est des aisselles. Ah, Mimi, les aisselles, regardez. Regardez nos grands sportifs. Tu dois pas descendre en bas. Ça force, hein.
Les enfants ont super aimé les balades au parc, et puis après ça a été balade en ville. Qu'est-ce que c'est bien d'être enfant? J'aimerais redevenir une enfant pour avoir l'innocence qu'ils ont. Alors, j'adore l'innocence des enfants. La grande qui a 10 ans, qui passe devant et qui nous dit « Ah, c'est un distributeur à dentifrice, mais j'hésitais avec chewing-gum. » Non, non, ma fille, c'est pas un distributeur à dentifrice ni à chewing-gum. On t'expliquera plus tard. Alors, on a Octavia qui a été malade, donc on a dû chercher une laverie parce que il fallait absolument laver notre couette. Alors voilà, nous voilà partis à la recherche d'une laverie. Donc on prend les petits chemins, on suit le GPS, il nous dit d'aller par là, on verra bien. Carapuce à très fin. J'ai bien lui proposé plusieurs choix et voilà. Et après, quand elle aura mangé, on ira se promener.
Et puis, la veille, on avait amené les filles au parc. On a amené Carapuce au parc. Voilà. On l'a amené se balader au parc. Et je ne sais pas si elle trouvait qu'il faisait trop de soleil ou qu'elle avait froid. Elle s'est à peine promenée et puis après, elle s'est planquée. Les enfants, quand ils s'ennuient, qu'ils n'ont pas envie de jouer avec leurs jeux, ils trouvent tout et n'importe quoi, surtout un papa, quoi. Quand tes gosses ne savent pas quoi faire, elles ont de la place pour aller jouer devant. Non, on joue au cheval avec les jambes à papa. Il est mort. Le mien, il a des poils lourds. Merci pour le double. Aïe, ma jambe. Merci pour le double cheval. Et quant à Octavia, il y a des moments où elle veut grandir plus vite que prévu. Allez, on se casse et on fait péter. Devant et elle a son pantalon. C'est pas top ça? Octavia a un sens de négociation bien précise et c'est toujours à son avantage. Elle m'a donné le reste de sa choco pour prendre la mienne. Octavia a commencé à manger sa choco. Papa s'en est pris une et regardez, Octavia, tourne-toi, Octavia. Et regardez, elle a négocié avec papa. Allez, on apprécie certaines choses qu'on n'avait pas quand on était dans les autres pays. Donc on apprécie nos richesses culinaires, notamment le pâté et le pain. Et même en retard, on a quand même fait la galette des rois. Certes, pas faite maison, mais achetée à Aldi pour 1 €. Voilà quoi. C'est génial de voyager dans la vie, mais des fois, il vous manque des choses quand même. Ça me manquait beaucoup. J'avais du mal à trouver du pâté. Et le pain français. Du pain. Et avec du retard, on a fait la galette des rois. Je sais pas pour ça, mais... Bon, en même temps, je suis tombée direct dessus en le coupant. Donc, regardez. Petite reine. Mais non. C'était la reine. C'est pour que tu sois belle. J'aime bien mettre les couronnes. Hop. Non, moi je veux pas être belle. Elle s'en fout, elle. Ah, c'est papa qui est beau. Voilà, c'est papa qui est beau avec. Il est beau, papa, avec la couronne. Papa le roi. Tu peux la garder pour jouer. On découvre partout de la faune et la flore, de très belles fleurs. Et on a vu 2 petits ragondins.
coucher d'un enfant peut être simple ou pas. Quand papa s'en mêle et qu'il décrète que le calme, il n'a pas envie. C'est l'heure pour que Octavia se mette en pyjama. Et franchement, vous croyez que c'est pratique? C'est le moment d'aller au lit quand même. Regarde, non mais je me calme, regarde. Allez, tu fais pas dodo. Hein. Non! Elle est vachement calme au moment d'aller au lit. Hein. Merci. Merci à papa. Alors, plein de fois, je dis hein, le mot pélissade parce que j'étais persuadée que c'était pélissade. Non, c'est pélissane. Donc, nous voilà partis de Pélissane en direction de Cugin-les-Pins. Allez, on vous fait découvrir notre spot actuel. Pour combien de temps, je ne sais pas. Vous verrez au fur et à mesure. Regardez un chat content. Mon chat est content. Elle chasse. Elle a plein d'espace, regardez. Il y a les bois et tout. C'est super sympa. Du coup, ça faisait 15 jours qu'on faisait des aires de camping-car bétonné. Bah, regardez. Là, on a sorti la table, il fait super beau, il fait super bon. Petite aire de camping-car, super. Il n'y a pas l'électricité, mais je pense qu'avec le beau temps, on n'aura pas besoin d'électricité. Hein. Mais regardez, franchement, regardez la vue. Voilà. Plusieurs camping-cars, vraiment, vraiment sympathique. Ça va être sympa, plein d'enfants. Les filles vont pouvoir avoir des copines et des copains. C'est génial.
Luxe quand même, c'est de pouvoir mettre la table dehors. Regardez-moi ça. Mon chat. Ma Lisa. Ma fille. T'es belle, ma fille. Octavia, on lui a sorti le sable. Elle nous en a collé partout par terre. Petit temps calme pour mademoiselle Octavia. Et quant à Christophe, il essaye de nous réparer la lampe extérieure qui a, on ne sait pas si elle a cramé ou quoi. Donc voilà. Allez, aujourd'hui pour Carapuce, c'est un repas à l'extérieur et balade. Et oui, ça fait 4 jours qu'on est ici, 4 jours où on a du beau temps. Hier, il y avait du vent, avant-hier, il y avait du vent aussi. Là, franchement, pas un pet de vent, c'est trop bien. Le repas de Carapuce, c'est de la tomate. Elle kiffe la tomate. Regardez Carapuce qui essaie de se barrer. Et tu vas où, mademoiselle? Ah non, tu n'iras pas sous le camping-car. Bah, quant à Octavia, c'est égal à elle-même. C'est, je fais ce que je veux. Tu fais quoi comme bêtise? Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? C'est un jouet, la caisse du chat? Est-ce que c'est un jouet? Non, on n'arrache pas l'herbe. T'arraches pas? Bon, ben, ça fait 3 jours que Christophe bosse, c'est le 3e jour. À la maison, avec les enfants. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, mais hier, avant-hier, il y avait beaucoup de vent. Donc, on est beaucoup resté à l'intérieur avec Octavia. Aujourd'hui, il y a eu du rangement. La grande, elle est en train de jouer avec les copines. Il faut ranger, trier, on a trop de bordel, donc faut enlever. C'est pas évident. Il faut que je vous dise tout à l'heure, là, des buissons, j'ai vu sortir un renard qui était jusqu'en bas. Il était trop beau. Désolée, je n'ai pas mon téléphone. Il faut quand même avouer que la vie en camping-car quand on voyage, elle est différente de la vie en camping-car quand on est posé. C'est plus compliqué, je sais pas, on retombe vite dans une routine quand on est posé. Donc voilà, après c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir 2 petites filles sages qui ne s'en vont pas très loin. Moi, Octavia, voilà, elle est à l'heure actuelle devant le camping-car, en train de jouer avec son camion, une branche. Donc voilà, il fait beau, c'est super agréable, il fait chaud. Donc voilà, c'est appréciable. On aime ce temps-là. Et puis bientôt, on partira à la découverte. Je finis de ranger et puis je pense que dans 2 jours, on pourra partir à la découverte du coin où on est. On ira faire des balades à pied avec les filles. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as peur de quoi? T'as pas peur? T'as mal? Octavia? Tu vas parler quand? Maman, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu me ramasses la tomate que t'as sortie. Dépêche-toi. La tomate, là, tu la ramasses dans le bac. Allez. Oui, tu ramasses. Oh, 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 tu descends. Allez. T'as rangé la tomate, tu descends. T'as mangé combien de tomates aujourd'hui? Non, t'en as mangé 4. 4. Bon, dans les prochains mois, notre quotidien reste d'être plus ou moins ennuyeux. Hein. On fera comme, on partagera quand même avec vous. Donc voilà. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus sur notre live. Et parce que ouais, c'était notre premier live et c'était vraiment très sympa. On a les amis qui sont passés. On a la famille. Donc voilà. Des amis à qui qu'on aime bien, qu'on tient beaucoup. D'autres voyageurs qu'on ne connaît pas encore mais qu'on apprécie déjà. Hein. Donc voilà, ça a été un super live. Ça m'a vraiment donné envie d'en faire d'autres. Donc voilà. Et puis ben là on continue les vidéos et donc voilà, on aimerait avoir un peu plus d'abonnés, un peu plus de vues. Donc j'essaye de m'améliorer dans les vidéos pour donner envie d'être regardé. C'est pas pratique, c'est pas évident pour moi. Donc mais je me force. Allez, la blague du moment. Je tiens à préciser que je l'ai. On me l'a raconté en Turquie. C'est un adjoint au maire d'une petite ville de la Turquie qui nous l'a raconté. Qu'est-ce qu'une personne qui parle plusieurs langues? Un polyglotte. Comment appelle-t-on une personne qui parle deux langues? Un bilingue. Et comment appelle-t-on une personne qui parle qu'une seule langue, que sa langue maternelle? Ben, un français. On se plaint que les gens n'essayent pas de faire d'efforts de parler notre langue, mais en fait, c'est nous qu'on fait pas d'efforts de parler la langue des autres. Avec Christophe, hier, on s'est rendu compte de quelque chose. On a notre fille, la petite, hein, Talia, qui aime jouer à la bagarre et qui fait semblant de tuer son père. Donc elle fait pan-pan, papa meurt et... beaucoup d'enfants iraient le secouer pour le réveiller et referaient pampan pour qu'il remeure. Non, non, nous la nôtre, elle le réveille en allant appuyer sur son torse pour le réveiller. Après, elle le torture, elle lui tire les poils, elle lui tire les cheveux, elle le retue pour le refaire vivre derrière. Je crois qu'elle est un peu sadique. Non, bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas de parler de nous à votre entourage qui s'abonne. Et voilà, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et les beaux jours arrivent. Tout devrait être assez sympathique. Allez, bye!